Eh bien, bonjour à tous. Donc, on va continuer nos petits trajets dans Fermbus et donc on va repartir. Donc, j'ai remis tous les paramètres en IPIC. Donc, on est prêt à partir. Enfin, prêt à partir. Prêt à lancer le jeu, du moins. Alors, carrière. Donc, la dernière fois, on était arrivé à Perpignan. Donc, de Perpignan, on va partir sur Marseille. Alors, déjà, hop, on supprime ça. Ok, nouveau. Hop, on part de... Alors, on part de Perpignan. Perpignan, direction Marseille. Oh, ça va être un petit trajet, hein, c'est... Ah, voilà. Ouais, ouais. Ah, quand même 300 bornes. Ouais, quand même 300 km. Et mine de rien, et que la dernière fois, on a fait Clermont-Ferrand, Perpignan. Donc là, c'est parti pour ça. Et bien... Ah. Ah, attendez, il y a un truc qui va passer. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, alors, j'ai dit Perpignan, Marseille. Marseille qui est là. Voilà. Retour. Sauvé. Voilà. Donc, suivant, réaliste, donc, on change la météo pour changer un peu. Oh, on va laisser, non, on va laisser comme ça, voilà. Aléatoire. Par contre, on va changer de bus. Qu'est-ce que tu as de beau de me proposer en VDL pour... On va prendre un Scania, tu vois. Alors. On va prendre celui-là, personnalisé. Bah, allez, on va prendre un truc italien. Ça fera puis afficher la mode de dialogue réaliste démarrer jeu donc avec le TGT2 toujours hein, pilote LCM hein, on change pas d'équipe qui gagne si on l'a autant s'en servir. Mais bon, vous avez toujours besoin de la manette à côté. Hein. Alors, voyez un petit peu ce petit bus, un peu. Ouais. Vivement que les nouveaux bus arrivent le 8 avril. Hein. Hop. Alors. On est le matin, on va mettre le tracteur à chauffer. La clim, nickel, les repas, le café, on va mettre la machine à café à chauffer, les toilettes en route, ça, les liseuses, si me les demande, je les mettrai, pour l'instant il me les demande, je défais mon frein à main, ralentisseur on. Je sais pas si je le mets ou si je le mets pas. Ouais, je le mets pas, allez. Le frein à main il est retiré. Les phares, on est comment? On est en veilleuse, très bien. On passe la vitesse. Allez.
On va attendre qu'il chauffe un peu. J'aurais dû laisser le frein à main. C'est pour ça qu'il avance tout seul. Oh, il a un joli petit son. Identification, non, c'est pas ça. Je croyais que je pouvais changer la météo, mais non, je peux pas changer la météo. Ah. Il fallait que je le fasse avant. Bon. Enfin bref. On enlève le frein à main et on est parti. Oh, il doit être chaud là. Ouais, la température est montée. Allez, c'est parti. Ah oui, il y a beaucoup de bus, mais ouais, je suis le premier à partir. Dans un entrepôt comme ça, normalement, je dis bien normalement, hein, mais bon. La logique des développeurs, on se la pose plus. Hein. La logique voudrait que il y aurait une station gasoil pour faire le plein avant de partir. Mais là, bon, attendez, je cherche la sortie là. Elle est où la sortie? J'ai perdu la sortie. Il y en a d'autres par là-bas, alors. Elle est par là, la sortie? Elle est là. Eh, les flics là, hein. Pas très intelligents, hein. En fin de compte, c'est moi qui ai foutu le boxon. J'ai foutu le boxon en bloquant la circulation. Ouais. Du coup, lui, il grille le feu rouge. Nous, on n'a pas le droit. J'ai enfin un barouf ce bus là. On entend le moteur comme si on était dedans. Et...
Et Rosarioline, là. Hein? Ah, mais c'est Morissette qui est à côté, là. Flexibus. Je suis en train de me poser la question si le moteur est à l'arrière ou... Il est où le moteur? Ouais, il est là le moteur pourtant. Pourquoi je l'entends aussi fort devant? Et ils ont mis un deuxième moteur devant. Il est où le moteur? Il est où? Il est où le moteur? Enfin bref. Oui, excusez-moi monsieur dame. Je vais chercher le moteur. Allez, posez vos bagages. Allez, Mousse Diouf. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ciao. Grüezi. Könnte ich bitte ein Ticket bei direction Marseille. Ben oui, oui, on y va à Marseille, monsieur. Oui, on va bien à Marseille. Il n'y a pas de souci. Mais on va pas dans le vieux Marseille, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Marseille. Hop. Vérification. Ok, c'est bon. Montez. Salut. Ich würde gerne ein Ticket kaufen. Marseille. Toi aussi? Allez. Sehr freundlich, aber... Ciao. Nein, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Sehr freundlich. Servus. Fahren Sie in meine Richtung? Auf geht's. Mahlzeit. Hier ist mein Ticket. Danke. Die Dame will ein Marseille aussi. Ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen. Ah, j'ai oublié la petite dame là. Elle était cachée derrière le poteau. Je la voyais pas. Cool. Elle est où, Morissette? Elle est pas là? Elle est peut-être avec Chris là-bas. Ben, qu'est-ce qu'il n'est pas là non plus? Oh ben mince alors. Vous êtes où? Ah, ils sont partis boire le café en face. Et moi, j'ai pas le droit de boire le café. Moi, je suis en prison, moi. Moi, je suis en prison.
Enfin bref, sont partis boire le café. Allez, trêve de plaisanterie. Hop. Alors on va contacter. Alors je peux plus démarrer le voyage, donc ça on peut plus le faire. Alors pourquoi ? Je ne sais point. Hein ? Si vous voulez savoir, demandez aux développeurs qui vous expliquent pourquoi on peut plus faire démarrer le voyage. C'est pas moi qu'il faut demander, c'est aux développeurs qu'il faut demander. Alors. Allez. Hein ? Je rentre dans quoi là ? Faut qu'on m'explique là. Ah ouais ! Non mais les gars ! Entre Morissette là qui est à 3 mètres du trottoir et toi qui es à 3 mètres du trottoir, automatiquement moi, j'ai du mal à sortir moi maintenant hein. Parce que déjà que j'étais en train de monter sur le trottoir. Non mais sans déconner. Il n'y a pas beaucoup d'espace là quand même. Hein. Apprenez à vous garer les gars. Hein. Fait quoi lui là? Il sort? Ouais, il est en train de sortir. Il est en train de sortir lui aussi. J'ai l'impression que le rond-point il est bloqué. Bien. Si le rond-point est bloqué, ça commence bien. Comment ça, t'as remis sur ton café? Bah tu te lèves, tu vas chercher un de l'essuie-tout, hein, puis tu ramasses, hein? Allez, on est parti, direction Marseille. Allez go, on est parti.
Allez. Roule les petits bolides. Ah bah dis donc. Allez, le Scania. Faut t'exciter un petit peu. Marseille à droite. Allez, on va prendre la bretelle de l'autoroute. Allez, on va attraper notre vitesse de croisière. On va caler le régulateur de vitesse. Oh, il a descendu un rapport là. Il a descendu un rapport le bus.
Allez. Régulateur vitesse va bien, très bien même. Y a rien à redire. Non, non. Toulouse, non, non, on rentre pas à la maison. À la fin de la semaine, on rentrera à la maison. Ah oui, aujourd'hui, on est vendredi. Ah oui, peut-être. Ouais. Et non, mais moi, ce week-end, je roule. Je roule ce week-end, moi. Et l'autre qui me double à droite. Eh ben dis donc. Avec le régulateur de vitesse, le machin, ça l'a calé. Je roulais avec le régulateur de vitesse, j'étais dans la descente, j'étais à 100 km/h, ça l'a calé direct. Eh ben dis, y a pas un souci là? Non, moi avec le régulateur de vitesse, il aurait dû monter. Hein. N'importe quoi là. Y a un truc qui va pas là. C'est pas très très fair play leur truc là. Bon, qu'ils descendent d'un rapport, ouais, pour monter, ok, ouais, mais de là à ce que ça le mette pratiquement à zéro en kilomètre heure, non, 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 ouais, on était à 100, il serait descendu à 80 80 85, ouais, j'aurais compris. Parce que bon, c'est vrai que la côte a été un peu raide, mais de là à ce que ça l'arrête complètement, non, je suis pas d'accord. Ça, faut qu'il règle ce petit problème là quand même. Hein. Donc là, je suis pas avec le régulateur pour qu'il monte, parce que sinon il va encore se mettre à zéro. Eh les gars, je peux y aller? On a vu le régulateur, on va voir. Le machin, je sais pas de quelle année il est ce bus là, mais on l'entend. Hein. Monsieur dame, vous voulez un casque anti-bruit dans le bus? Pour éviter d'entendre le.
Pour éviter d'entendre le bruit du moteur. Mais c'est pas un bus, c'est un autocar. Parce que les bus, c'est pour la ville et les autocars, c'est pour les longues distances. Est-ce que vous voulez un casque anti-bruit pour éviter d'entendre le moteur? Est-ce que faut que je fasse une pause? Je peux regarder. Non, c'est bon. On peut y aller d'une traite. Hey, roulez petit bolide! Je suis en train de me gratter le pied en même temps, alors. Ah, le chauffeur, pas moi, mais... N'allez pas confondre... Non, mais... Il y a du brouillard, hein, quand même, mine de rien. Vas-y, accélère, toi! J'ai pas envie de freiner! Fuché! Les ambulances! Donc, le 8, je vais sûrement, je dis bien sûrement, à moins qu'il y a un contre-temps, mais je vais prendre le DLC des bus. Je pense que c'est des jolis petits bus. Et ça, je vais les prendre. Et, après, j'attendrai le DLC Pologne. DLC Pologne, c'est pas... tout de suite entre temps je sais pas si je prends Ground. Il y a aussi un autre DLC qui m'intéresse aussi, c'est sur Trump Simward qui vient de sortir, il m'intéresse bien celui-là aussi. Je ne pourrais pas tout faire, ça c'est sûr et certain. Il va falloir que je fasse un choix, mais bon, tant pis pour les développeurs, parce que bon, bah, comme je vous ai expliqué, ils préfèrent pas annoncer à l'avance pour qu'on puisse précommandé, donc ça fait que tout sort en même temps. Le truc, c'est que ben voilà, en sortant tout en même temps, ben voilà, on est obligé de faire des choix. Alors, ben, bénéfice net, ils perdent de l'argent, ou alors c'est reculé. Voilà, tant pis pour eux. Le truc, c'est que s'ils mettaient les trucs depuis qu'ils l'ont annoncé, qu'ils mettaient voilà, précommande, vous pouvez précommander le truc comme Ground, ça fait presque un mois et demi qu'il y est. On peut pas on pouvait pas le précommander, il y a quoi, 2-3 jours qu'on peut le précommander. Donc bénéfice net, on est en fin de mois, donc personne ne peut le précommander là. Les gens qui sont un peu dans ma situation, qui ont Trump Simward, qui aiment bien le DLC de Trump Simward, Fermbus, les DLC de Fermbus, plus Ground, ben, il va falloir qu'ils fassent un choix. Mais bon, comme je disais dans plusieurs vidéos, hein, les développeurs, ils ont un cerveau pour 4, donc, et puis les éditeurs, pareil. Alors les éditeurs, c'est encore pire, eux, c'est un cerveau pour 10. Et encore pour 10, je suis généreux, ça doit être pour 20. La moitié d'un cerveau pour 20. Parce qu'en eux, ils réfléchissent pas du tout. Hein. Oh, mais il fallait que je sorte là. Ah! Je me suis perdu. Encore une fois. Voilà, je discute, puis voilà. Eh ouais. Donc, voilà, je me suis loupé. On va aller faire demi-tour. Je pense pas qu'il va me demander de faire demi-tour, parce qu'il me dit pas de revenir. Donc, peut-être qu'il y a une autre sortie plus loin. Faut pas que je la loupe par contre. Donc on va accélérer un peu pour doubler tout ça là.
On dirait qu'il y a un panneau là. Derrière le camion jaune là. Non? Non. Je croyais. Ah, Marseille, on sort là, nous. Marseille-Nice. Ah, ça frise. Ça a frisette. Il nous reste combien? Combien? 120 km encore à faire? Bon, ça va aller vite. Arrivé à 11h25. À peu près une heure, ouais. À peine une heure, parce qu'on a de l'avance encore, comme d'habitude. La compagnie Fafan, bon, j'ai pris... Ah ben, j'ai fait un petit truc avec Flixibus, voilà, pour gagner un peu plus d'argent, je leur fais quelques trajets. Mais bon, voilà, la compagnie Fafan, elle roule. C'est pas comme Flixibus, c'est qui traîne. Ouais, les chauffeurs Flixibus, ils m'aiment pas, hein. Je roule trop vite. Ben, je fais gagner de l'argent à la société, mais ouais, plus je fais de voyage, plus je gagne d'argent, moi. Et pépettes, moi, il me faut des pépettes pour acheter d'autres bus. Tu veux acheter les bus à Noul là, le 8 avril, faut que je fasse des pépettes. Hein. Hop là, on va faire des pépettes. Et il faut des pépettes. Il faut les sous-sous, des roros. Eh ouais, ouais, alors moi, rouler beaucoup, moi, beaucoup rouler pour avoir beaucoup de sous-sous. Allez. Ouais, il faudrait que à peu près le voyage me ramène à peu près une trentaine d'euros, hein. Pas plus. L'autre, il fait un voyage de 300 km pour 30 euros. C'est mon bus personnel, en plus. Hein? C'est mon bus personnel, mon gasoil. Non, non, mais... C'est vachement avantageux, hein. Un voyage à 30 euros. Mais pour toutes les personnes, hein, pour tout le monde, c'est 30 euros. Mais pour les 10 personnes que j'ai dans le bus. Enfin, moi, je suis payé 30 euros pour le voyage. Voilà. En payant mon gasoil, l'usure de mon bus, l'entretien et tout. Je suis payé que 30 euros, moi.
Oh! Warum soll man sich also... T'as pas vu que je t'ai déjà engagé, patate? Patate féroce! Bah, du coup, t'as une aile à la refaire. Tiens, reviens, regarde. Je déboîte encore, regarde. Hop là! Tiens! Allez! Mais il a pas compris la première fois, il le refait une deuxième fois. Tiens, regarde, je recommence. Regarde, on recommence. Hop! Il va peut-être comprendre ce coup-ci, non? Marseille. Allez, on redéboîte. Est-ce qu'il va me rentrer dedans? Non? Non. Il était loin, là, ce coup-ci. Bah, parce que des fois qu'il n'aura pas compris au bout de deux fois, on va lui refaire une troisième fois. Voilà. Je suis pédalé au plancher, il avance pas là. Qu'est-ce qui lui arrive? Allez, Marseille, 900 mètres. Et il est parti au péage se plaindre, lui. Que je lui arrache deux fois les ailes. Ben, c'est lui, hein. Il fait pas attention que je suis en train de changer de voie. Et il est parti au péage se plaindre. S'il se plaint, je lui défonce le derrière. T'as eu un problème, Pépère, avec ton camion ?
C'est bon, on peut rouler à 100. C'est parti. Dans le tunnel, c'était 80. Ah, une voiture. Ah non, bah ça y est, c'est apparu. Je disais, il y avait que les roues. Fumier de lapin. Je sais pas où j'étais manqué là par contre. Gare routière. Bon, on va aller à la gare routière, nous, hein. De toute façon. Nous, de toute façon, c'est direction de gare routière. Hein. De toute façon, il n'y a pas à tortiller. Il n'y avait pas à nous marquer gare routière. Autant aller directement sur la gare routière. On va suivre les panneaux. Hein. Comme le GPS n'a pas l'air décidé à parler. Ah, bah ça y est, il a rattrapé. Alors, direction gare routière. Hop, c'était rouge. Est-ce que je peux reculer un peu? Apparemment, ça doit être vert pour moi aussi. Ah bah ici, là-bas, mais... D'accord, ok. Qu'est-ce que c'est ce Beans? Je comprends pas trop le principe des feux rouges là, comme ils l'ont foutu. Tu la donnes Tu le donnes le feu vert, faut que je descende. Pour secouer le poteau encore, voilà. Pour la faire descendre la couleur. Salut Stéphane, j'ai vu ta vidéo sur le jeu de taxi. D'après ce que j'ai vu, rien n'a changé. Il faudra que j'essaye la version des maths. Ouais, y a rien que changé. Moi, j'ai pas trouvé grand chose. Ce qui a changé, c'est qu'ils ont retiré de la circulation et des piétons. Alors ça, ouais, par contre, ils l'ont fait. Mais bon, les piétons traversent toujours au vert. Les voitures passent au rouge. Ils n'auraient rien fait, ça aurait été pareil. Mais bon, je pense que le mec, le développeur qui a fait la mise à jour... Et il devait pas avoir la moitié de cerveau, parce que comme ils ont un cerveau pour la moitié d'un cerveau pour 4, c'était pas son jour, il devait pas avoir le cerveau lui.
Parce que faire une mise à jour qui sert à rien. Comme ils ont que la moitié d'un cerveau pour 4. C'était son collègue qui l'avait pour un autre jeu, donc il n'a pas pu faire les choses comme il faut. Donc voilà, en gros, c'est. Alors, si c'est pour faire des mises à jour toutes les semaines, parce qu'ils nous font des mises à jour toutes les semaines, si c'est pour faire des mises à jour toutes les semaines pour rien faire, ça sert à rien. Alors, c'est vrai que les piétons, il y en a moins, ils traversent plus au feu rouge qu'au feu vert. Mais par contre, t'as les voitures maintenant qui passent au feu rouge. Donc, le problème des piétons, ils l'ont porté sur les voitures maintenant. Donc, bénéfice net, ils ont déplacé le problème. Donc, voilà. C'est. Qu'est-ce que tu veux, hein? Ouais? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je freinais, hein? J'accélérais pas, je freinais. Ok. Non, non, mais. Sympathique le truc là. Je freine, le bus l'accélère. Ouais. Donc, du coup, on refait un tour de manège gratuit. Pourquoi il m'a fait ça, le bus? J'étais en train de freiner. N'importe quoi. Ouais, en fin de compte, Taxi Life, ils ont fait une mise à jour pour rien. Ben, moi, je trouve que... à part qu'ils ont retiré de la circulation, ouais, ils ont retiré des voitures qui roulent, ils ont retiré des piétons, mais par contre, moi, j'ai toujours le problème des voitures qui restent bloquées au feu rouge, là. Qu'il n'y a personne devant, elles restent bloquées tout le temps. Les piétons, ils traversent des fois au vert, donc ouais, bah, c'est... Bon, c'est vrai que c'est y a moins de piétons, moins de voitures, donc c'est un peu mieux, mais c'est pas... C'est pas au point. C'est pas encore au point et ça le sera pas. La fonction volant, ils n'ont pas de volant, donc voilà. Et après, ils appellent ça un jeu de simulation, donc... Donc, comme c'est des Polonais, on va dire que c'est des Chinois. Ouais, j'ai vu. Ouais, alors attends, parce que là, je vois plus. C'est tout droit. Hein, donc, comme eux, ils se permettent d'appeler un truc simulation, alors qu'on peut pas jouer au volant. Bah écoutez, pour moi, c'est pas des Polonais, c'est des Chinois. Parce qu'ils se permettent d'appeler un jeu simulation, alors que c'est pas une simulation. Donc, eux, c'est pas des Polonais, c'est des petits Chinois. On va les appeler les petits Chinois. S'ils s'appellent Jacques, on va l'appeler Arthur. Non, mais voilà, ils veulent changer les... Ils donnent des noms à des trucs qui n'ont pas lieu d'avoir. Donc, bah, on va faire pareil. Ils appellent un chat, bah écoute, nous, s'ils s'appellent Paul, bon, on va l'appeler Arthur, puis c'est tout. Puis le nom de famille, si je sais pas son nom de famille, on va l'appeler Martin, ça fera Arthur Martin. J'ai le véhicule, car j'ai emprunté le même chemin, et tout s'est bien passé pour elle. Ben là, moi j'en ai un à aller chercher là tout à l'heure. Là, je vais faire une vidéo pour aller le chercher. Et ça va être costaud celui-là aussi à aller chercher, à mon avis. Hein. Là où il est placé, ça va être chaud patate. Bah, il y a eu la mise à jour dessus aussi, là, sur le jeu. Bon, bah, après, j'ai regardé quelques petits trucs, j'ai vu quelques petites choses qui ont changé. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'ils ont fait, mais... Là, le véhicule, je crois que... je vais passer du temps pour le ramener. Donc ça va être vers 9h15, 9h30, que je commencerai le live pour aller chercher le véhicule sur Expédition. Donc, je te remercie de ta vidéo d'hier que tu m'avais parlé pour aller chercher le véhicule, car ça m'a beaucoup aidé. Et là, il y en a avoir une qui arrive, là. Ben, il y a une vidéo aussi pour le Tatra, pour aller le chercher. Il y en a une dessus, normalement. Et là, je te dis, là, entre 9h15 et 9h30, ça va commencer.
sur expédition, je vais aller chercher un autre véhicule, je vous dis pas lequel. Vous verrez par vous-même qu'on arrivera sur place. Donc si vous voulez profiter de la vidéo pour voir où il est placé, en fait du live. Et si vous voulez en profiter, ça sera à partir de entre 9h15 et 9h30 que je commencerai. Allez. Si je suis là car j'ai le kiné après, mais au pire je regarderai la rediffusion. La rediff elle sortira pas tout de suite par contre. Elle sortira pas tout de suite tout de suite. Je sais pas quand c'est qu'elle sortira, parce que j'ai des vidéos, pas mal de vidéos programmées en attendant. Normalement, il y aura une vidéo aussi qui doit arriver sur... C'est quoi que j'ai dit que je voulais en faire une aussi. Que j'en ai une de programmée qui est faite, et il faut que je la... faut que je lui mette une date, donc il faut que je la mette. Parce que pour l'instant, elle est programmée pour 2027. Donc faut peut-être que je la balance. C'est quoi qui vient de sonner comme ça? Ouais, je te dis 9h15, 9h30, elle commencera la vidéo. Toujours pas de nouvelles de trucs logistiques, donc ça m'embête un petit peu aussi. C'est normal, ils sont encore sur les bouteilles. Ouais, mais de toute façon, truc logistique, le problème, c'est que ils sont que deux développeurs pour faire, donc c'est un peu plus long. Puis là, franchement, depuis le mois de décembre, là, enfin, depuis qu'ils ont sorti le jeu, ils ont été étonnés d'avoir vendu autant de jeux, donc je pense qu'ils sont un petit peu dépassés, là. Je pense que s'ils veulent continuer, il va falloir peut-être qu'ils embauchent un peu de personnel. Parce que c'est juste une femme et un gars qui font le jeu, ils sont que deux, hein. Donc... je pense qu'ils auront eu les yeux plus grands que le ventre quand ils ont annoncé le truc avant la sortie du jeu sur console, parce que c'était annoncé depuis belle lurette. Et ils étaient contents d'en avoir vendu beaucoup pour l'instant, ils s'occupent des bouteilles, le reste c'est après. Des bouteilles? Mais ouais, là, de toute façon, eux, ils sont dépassés, hein, de toute façon, c'est sûr et certain. Parce qu'ils ne pensaient pas faire un carton comme ça sur la PS5 et la Xbox. Et du coup, ben, je pense qu'ils sont complètement dépassés. Comme ils sont que deux, ben, faut qu'ils s'assument derrière maintenant. Ouais, ouais, non, non, ben, je pense pas. Parce que c'est... Je te dis, c'est deux. Un mec et une femme qui font le jeu. Et c'est eux qui le développent. Et à deux pour développer un jeu comme ça, pour faire les mises à jour et tout, c'est compliqué parce que ils l'ont annoncé, je crois que c'est le jeu, il est sorti il y a quoi, au mois de novembre, il est sorti au mois de novembre ou octobre, un truc comme ça. Et c'était annoncé depuis le mois de septembre, mais ils ont corrigé les bugs entre temps, ils peuvent pas tout mener de front, ils sont que deux, je pense que là, ils peuvent pas mener tout de front. Là, par contre, tu vois, là, de ce côté-là, on peut pas trop dire grand-chose parce qu'ils sont que deux. Mais quand tu prends, par exemple, TLM Studio ou Taxi Life, qui sont plus nombreux, je pense quand même que là, eux, ils pourraient mettre le personnel qu'il faut. Non, non, là, moi, sur Twitter, là, je les suis, ils sont que deux, hein, donc il y a une femme et un mec, c'est tout. Et je crois que la femme, elle s'occupe de tout ce qui est communication, donc...
Je pense qu'elle doit donner un coup de main aux gars de temps en temps, mais c'est compliqué. Hein. Au départ, quand ils ont commencé le jeu, ils étaient 3 à développer, et là, maintenant, ils sont plus que 2. Oh là, mais oui, je suis pas sur Bonnefil, moi. Oh là. Ah oui. C'est vrai que quand il y a les commentaires, ça me cache le GPS. Le lycée Victor Hugo. Non, non, il n'est pas là-bas. Il n'est pas chez moi, le lycée Victor Hugo. J'ai l'impression de tourner en rond, là, un peu, non? Mais elle est où, cette gare routière, là? Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Pas trop là. Faut aller où là? Là. Ah ouais, mais là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je comprends pas ce qu'il me fait le GPS là. Je comprends pas trop le GPS là. Je suis désolé mais là. Il va falloir que je trouve l'entrée. Parce que là il me fait aller par là pour revenir après. Deux kilomètres, il me dit. Hier, j'étais avec Michael, il a dit qu'il allait acheter trop de logistique et sûrement construction simulator. Mince, le feu rouge. Ah! Comme j'essaie de suivre le GPS, là, je suis un peu... Bon, qu'est-ce qu'il me fait faire, là? GPS, qu'est-ce qu'il me fait faire? Il me fait aller par là, ok. Là, il me fait tourner ici. C'est le Bins à Marseille, là. Ouais, ben oui, mais je cherche l'arrêt. Commencez pas à m'agacer, à vouloir fumer, à faire votre pause, là. Sinon, moi, je te descends là et tu restes sur le trottoir. Hein. Tu te débrouilles. Hein. Qu'est-ce que c'est, cette histoire de GPS, là? Il y a un bug? GPS a fumé. Ouais, je pense que le GPS il est pété. Et le problème c'est que je sais pas où est la gare routière. Si je savais où elle était, j'y irais. Et là, il me fait retourner en arrière. Qu'est-ce que c'est cette histoire?
Et si je regarde sur la carte, c'est ce qu'il va me le montrer. Non. J'ai que dalle. Je peux pas le voir sur la carte. Ouais, là, on a une heure de retard, une heure et quart. Non, mais sans déconner. Il me fait revenir au même endroit le GPS là. Il a. Ah, je comprends pas trop. Donc faut que j'aille là. Et après il me fait aller là-bas. Là comme eux. Il me fait aller comme eux. Comme ça, on est d'accord. Pour l'instant, c'est bon ça. Là, donc je vais par là. Et après. Ça y est, je crois que j'ai compris. Ça va faire comme ça avait fait une fois. On est obligé de rentrer par là. Parce qu'il y a le panneau sans interdit, mais le GPS vous dit de continuer tout droit, mais c'est interdit cause d'enlèvement parce que c'est uniquement réservé au bus. Et je crois que c'est là qu'il faut rentrer. Il me semble que j'avais déjà eu le problème une fois de ça. Et il est où mon emplacement? Ah! Il est derrière moi. On va faire un truc, bougez pas. Ça touche où là? Ah ouais, mais c'est que je suis trop près du bus, de l'autre bus.
Ok, j'ai compris. Tiens, mon emplacement, il est là. C'est ça que je l'ai vu là. Ouais. Pourquoi je l'ai pas vu tout à l'heure quand je suis passé? Voilà. Ça c'est fait. Alors, hop, je croyais être en avance, mais je suis en retard. Voilà, prenez vos bagages, messieurs, dames. Excusez-moi du retard, mais bon, Marseille, c'est pas très bien indiqué pour les GPS, hein, c'est comme ça. Donc, c'est fini pour ce trajet. Hop. On referme les portes. Qu'est-ce qu'on a gagné de beau? Pas grand-chose. Se déconnecter. Continuer. Donc, dans la prochaine fois, on partira donc de Marseille. On ira sur Nice. Ça va être un petit trajet, hein, ça sera pas très grand, très long. Donc, ça sera Marseille-Nice dans la prochaine fois. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!